Et bonjour mesdames et messieurs, nous voilà partis sur Onvyo Genji, en espérant qu'il n'était pas une écho MDR. Espérant qu'ils aient que ça pour me counter. Hein. Bon là ça devrait aller. Juste être un peu emmerdant. Alors qu'est-ce qu'on a comme healer? On a Anna Life Weaver. Ça va, ça devrait suivre à peu près. Pas très utile à cette distance là, mais vaut mieux ne pas être très utile en défense et leur faire perdre du temps que tenter des trucs risqués qui leur feraient gagner points. Ou notre Reinhardt qui a du mal avec la line of sight dealer. Pour l'instant ils ont pas décidé de changer d'approche, donc on tient bon, c'est carré. Ouais, déjà c'est back un peu les healers, hein. Chargeant un peu l'outil. On a récupéré un truc en plus. Trop fort. Essayez de rester à distance un peu meilleure pour pouvoir dash si besoin. Voilà, ça c'était bien vu de la part de la Sombra. Je vais me faire récupérer moi. On protège notre Reinhardt. J'essaie de jouer, quitte à jouer moins bien, enfin quitte à faire moins de kills, hein, de jouer un peu mieux. Et de manière plus intelligente. Surtout plus intelligente. Bon, les dégâts de notre soldat par rapport à notre... Mais vous voyez, même si je fais pas la diff, il vaut mieux que je fasse ça plutôt que de trop me baser sur mes skills mécaniques comme c'était le cas avant. Et faire comme mon Reinhardt et charge in quoi. En espérant pouvoir avoir un play of the game, beaucoup de kills. On a la Sombra qui est sur le point. Ange qui va dessus. Notre Ange, notre Anna. Bien joué. On va monter. Voir ult les DPS. Enfin les healers. Ils ont plus de Suzu. Non. Je suis puant. Je suis si puant. Terrible. On est juste en train d'essayer de préparer le prochain ult. Great. Bon, 7%. On peut dire qu'on a préparé comme un pro. Et en fait, le problème, c'est que maintenant, c'est plus dur pour moi d'avoir des games pour vous, pour YouTube. Parce que les games que je joue intelligemment, elles sont moins intéressantes que les games où je dash in et où je fais la diff parce que mécaniquement, je suis un peu meilleur que mon elo. Mais ça va quand même... Enfin c'est pas mécaniquement que je vais beaucoup m'améliorer là actuellement. Même si je suis pas un niveau monstrueux du tout. Hein. Et c'est plus avec mes positionnements que je vais pouvoir vraiment jouer mieux. Et espérer pouvoir monter en compétitif ou des trucs comme ça. On va essayer d'occuper le healer. Se permettre là parce qu'il est tout seul, pas de heal. Voilà, et nous on avait le deflect quasiment, on l'avait pas en réalité, j'ai menti. Et au final j'ai quand même plus de kills que notre soldat. Ouais, ça c'était bien joué de sa part. On attendra ici dès que l'Anna se pointe. Non, ce mon dash reset, je l'ai eu un tout petit peu trop tard. Oh, petite esquive. On va attendre un peu plus loin. J'ai bientôt mon ult, ce serait cool qu'on arrive à en charger un. Ok, parfait. Tu fais exactement ce qu'il me fallait. Tu fais un cadeau du ciel. Pas grave, on n'a pas fait grand chose là. Elle sait que je sais qu'elle est là. Et elle sait qu'elle doit toucher le point aussi. Bien joué.
On le passerait peut-être quand même la game. Parce que je peux assurer que je m'améliore en termes de positionnement et de choix de jeu. Et j'espère que ça vous aura intéressé. Ce sera un petit Genji Educational, j'ai envie de dire. Et on va voir le POC de notre soldat. Puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais essayer de faire un peu plus de contenu éducatif comme ça. Il faudrait que je m'améliore vraiment de manière consistante. Et après j'essaierai de nouveau de monter en partie classée, je pense. Ça peut être la bonne stratégie. Voilà. Ciao ciao.